Président Jovenel Moïse mande yon ouverture officielle aéroport international Toussaint Louverture. Dans la vidéo, ça, nous allons expliquer tout détail, nous allons expliquer la date exactement qui est aéroport prévoit réouvrir et qui les voyageurs capables de commencer en Haïti spécialement. Nous invitons à regarder la vidéo jusqu'à la fin pour avoir toutes les informations. Salutations à chaque grand monde qui va regarder vidéo ça. Non pas c'est Pierre Exalus. Je dis là nous allons parler des voyages spécialement qui pourra commencer bientôt en Haïti. Mais avant nous aller plus loin, nous invitons à faire ça connia. Abonnez à la chaîne là pour qu'à toujours recevoir l'autre vidéo que nous allons partager. Et là au fin abonné, pas oublier activer cloche notification de façon pour qu'à recevoir toute l'autre vidéo que nous même nous allons mettre sur channel ça. Non pas moment qu'on en pile là nous qui t'ai acheté billet en Haïti. Pour aller visiter ou bien pour aller vivre dans l'autre pays. Quelle situation pays ou bien situation la caille qui pas tellement fin bon. Comme ça tout, il y a un pile là nous qui bloqué en Haïti dans le moment avec un billet dans main nous soit qui t'a visiter ou bien qui t'a passé vacances mais qui pas de retourner à cause coronavirus ça fait un pile dégâts dans paquet l'autre pays, ça te vient permettre que voler eux-mêmes, yo t'es bloqué. Dans le moment où on est comment situation toujours le pays d'Haïti commence à aller en gros souffle en bas coronavirus. Ça va nous permettre que l'autorité tout ce qui commence à aller soufflant, yo tout relancer une ouverture officielle avec aéroport international Toussaint Louverture. Dans une façon pour recevoir tout l'autre vol et puis pour l'économie capable de relancer tout facile. Président Jovenel Moïse mandé pour ouvrir aéroport officiellement le 30 juin. Pas oublié. Si toutefois que l'aéroport lui-même réouvre le 30 juin, c'est qu'il y a bien vol qui a sorti en Haïti pour aller dans quelques pays qui déjà ont accès, soit pour avion ou bien pour l'autre étranger immigrant rentré. Si toutefois ou même ou en Haïti dans le moment où vous avez un visa dans ou bien déjà acheté un billet, soit pour venir au Brésil ou bien pour aller dans n'importe quel pays, dans le moment où vous avez commencé à repenser avec voyage. Parce que le 30 juin, aéroport lui-même l'a ouvert en Haïti. Quand il y a si visa ou fini ou bien visa ou pral fini ou pas quelqu'un temps voyager sur lui, il y a un bagage de faire si vous êtes un monde qui a un visa Brésil. Comme ambassade Brésil qui en Haïti a été fermée, tout de suite que vous suspectez ambassade là lui-même lui réouvre, ou va entrer en contact ensemble avec vous ou bien même avant si vous jouez une possibilité pour entrer en contact ensemble avec vous dans la période ça là, ou après aller pour parler ensemble avec vous pour faire vous connaître que visa dans mon là lui-même li fini ou bien li pral fini puis ou ka di ou ki ça ou même ou supposé fait. Si nous voulons te gagner l'autre visa dans main, ambassade visa qui ou gagne dans main, on pas connaît, mais pas de visa qui ou gagne depuis ambassade là ouvri, ou supposé rentrer en contact ensemble avec ou si visa fini parce que on connaît li pas tellement facile pour un monde voyager avec un visa qui expire si li pas gagne, on laisse passer ou bien si ou pas renouveler visa pour lui. Kounya la, on connaît gagne pile dans notre Haïti qui pas demander est-ce que avion a ka rentrer Brésil. Tout ce qui est aéroport haïtien lui-même l'a relancé ou bien l'a demandé une ouverture officielle. Si vous êtes un qui a sorti Haïti pour venir ici au Brésil, dans la période ça, le Brésil a un décret qui est actif, qui ou même qui n'a pas de résidence au Brésil ou pas de rentrer. Même décret ça, il interdit que même avion pas de rentrer. Ça veut dire pour avion rentrer, il est obligé d'attendre le décret à finir. Pas bien décret ça a fini le 5 juillet. Ça qui arrive, le décret a fini, il renouvelé encore ou bien il doit pas renouveler encore. Ça va dépendre de qui gens qui coronavirus en propagé dans le pays brésilien. S'il y a une diminution par rapport avec quand c'est monde qui était déjà infecté et quand c'est monde qui était contre mourir, si il diminue, laisse ça a bien accès directement pour même ou bien pour vol là rentrer ici au Brésil. Mais si toutefois décret pas renouvelé, laisse ça si toutefois que des possibilités Brésil va accès ou pas rentrer Brésil. On connaît en pile dans nos cas sur Haïti nous souvent acheter billets dans Copa Airlines pour nous venir dans zone Amérique latine. Pas oublier actuellement là, Panama a un décret qui actif qui permet que immigrants ou bien l'autre étranger pas capter le territoire. Ça veut permettre que Copa Airlines les oblige réavancer vol lié pour une date qui plus loin, une façon que lui-même les pas voyager parce que autorité Panama pas l'accès pour voler. Kounya là, ou même qui a déjà acheté un billet dans Copa Airlines ou bien ou même qui a acheté un billet dans n'importe l'autre compagnie depuis avion ça voler, si va passer dans un pays qui a une restriction pour vol pas rentrer ou bien pour immigrant pas rentrer ou pas rentrer dans le pays côté au pralia sans problème parce que spécialement vol prévoit réouvrir et pas bien qu'on ait un pile dans nous qui était découragé, un pile dans nous qui était perdu espoir parce que nous pensé aéroport même pas ouvrir parce que nous même pensé c'était la fin du monde. N'a rappelé aussi en pandémie, il a toujours fait un pire ravage, il a toujours quitté en pile panique et pas oublier malgré autant de vols réouvrir, malgré autant de tout aéroport réouvrir, vol relancé ou même gagner un bagage aussi posé toujours respecté.
distance sociale et appliquer tout principe que autorité pays côté ou vivre la mandia faut qu'on toujours appliquer parce que si vous pas appliquer ou quand même arriver dans jour que vous voyager ça qui arrive il pas problème parce que ou doit même que pandémie ou qui doit même infecté avec pandémie il y a restrictions sur un paquet d'activités en Haïti ça te permet un paquet go entreprise t'es obligé fermer pour être capable obéir avec la loi. Eh bien, autorité haïtienne yon pral commencer à retirer en pile restriction, yon façon qui pral gagner en pile libération avec un paquet l'autre gros business qui te fermé, qu'on y a là ou même ça ou doué connait. Si vous faut gagner un visa nan men qui expiré, c'est chercher connait qui l'est ambassade visa qui nan men ou nan ambassade pays qui ba ou visa qui l'est là pour ouvrir, yon façon vous même pour rentrer en contact ensemble avec yon pour yon kadou qui ça yon va faire pour vous. Inclus ambassade Brésil qui en Haïti parce qu'on est grand pile monde si on visa 3 mois ou te gagne visa ça getan fini nan men pas oublier rester en contact ensemble avec monde ça pour cadeau qui ça pour faire et merci parce que regarder vidéo arrivé jusque là non pas monsieur Pierre Exalus moi toujours là pour informer pour toute information qui me connaît qui au besoin pas oublier pour toujours être en contact ensemble avec nous abonner à la chaîne là pour toujours recevoir toutes les notifications vidéo que nous partager. Et qui dans commentaire pour dire qui impact coronavirus ça lui-même l'été fait sur soit dans plan voyage que vous avez gagné ou bien dans business. N'a croisé sur même channel ça dans l'autre rubrique.